Si je trouve à buter, je bute un chien. Hein. Ouais. Tiens, mais il arrive le mien. Ah, il y a quelque chose là. C'est quoi qui a fait ce bruit? Il y a une trace là. Tu vois, errance de coyote. Ah, regarde, bah. Tu vois une trace, je l'ai pas moi. Ah, bah, moi je la voyais pas, mais j'ai entendu en passant là. Toi. Ça fait titing. Et normalement, elles sont peut-être 4 ou 5, alors prépare-toi, Kiki. Fusil? Ouais, je vais prendre le 44, moi. Mais le premier, je le flèche si je peux. Je vais coucher le chien. Merde, faut que je me mette accroupi pour lui donner un ordre. Coucher. Pas bouger. Voilà. Et moi, je me recouche. Voilà. Tu l'as appelé le cerf aussi? Ah bah non, il va se barrer le cerf. Si on tire les loups, je vais tirer l'arbalète. Putain, je l'avais pas chargé en plus. Bravo. Ah, je le vois, il arrive. Tu le vois? Bon. Ouais, je le vois. Je prépare l'arbalète. Tu le vois, Barbie? Ouais, ouais, mais je te vois plus parce que t'es mis devant moi. Je lui mets une flèche. Attends, attends, il s'arrête. J'ai jamais tué de coyote, moi. Ah bah vas-y, alors, vas-y. Et il nous a senti. Tire pas, tire pas, tire pas. Il va revenir après. Tire pas, tire pas, tire pas. On va le rappeler. C'était juste une flèche. Tu vois, il va pas aller loin. Comme ça, on va lui faire tirer le cerf. Je vais l'appeler le cerf. Il y avait une biquette, là, j'ai entendu tout à l'heure, là. Merde, ça c'est pas le cerf. C'est ça. Elles sont à 88 mètres. Ok. Mode de moi. Ça remonte, ça arrive. Là ouais. Vous devriez les voir normalement. Elles sont sur votre droite. Sur ma droite? Ouais, enfin en face de vous quoi. Elles descendent là, au niveau du gros rocher. Il y a un gros rocher en plein milieu là. Ouais. Elles sont à côté, les deux. Ah oui, j'en vois une en haut là. Et l'autre elle est peut-être pas la même. Il y en a une qui est tout en haut toute seule. Et l'autre en dessous. Non, c'est pas les mêmes à mon avis. Ça arrive, ça va arriver sur toi en fait. Toi tu dois pas le voir qui doutait. On va voir que deux là qui arrivent sur moi. Tu la vois Barbu, celle qui est sur la butte là à droite. En direction des arbres morts, tu vois les arbres morts tout droit devant là, à droite. Elle descend, elle commence à redescendre de la butte. Ouais. Ouais, elle passe, ah ouais, moi je vois les autres, ça y est, je vois les autres d'en bas là. Elles arrivent devant moi. Alors toi, faut que tu shootes le Virginie, c'est-à-dire celle qui descend toute seule d'en haut de la butte barbue. Moi là devant moi, c'est deux cermulets. Ouais, c'est deux femelles. Alors tu me dis quand t'es prêt, barbu. Voilà. Vise celle qui est toute seule à droite. Nous on vise les autres. Soit tu prends laquelle, Kiki? Bon, des mulets. Moi je suis super loin, je sais pas si je vais réussir de là. On attend un peu qu'ils approchent. Tu prends celle qui est... Il y en a trois, j'en ai trois là, j'en ai encore une. Je prends celle qui est le plus devant, qui arrive vers moi, d'accord? Ouais, ouais, moi je prends celle au fond. Allez. Bon, de toute façon, t'es prêt, Barbie? J'en ai... Attends, tu vois plus la tienne. Elle est où la tienne? Ah bah si, elle est tombée. Bon bah bien joué. Un peu tard mais. T'aurais dû nous prévenir un minimum. Là avant de tirer comme un sauvage. Vas-y, sors, maintenant on va la chercher ta bête seule. Bon, je pensais que quand tu m'as dit c'est bon barbu, je pensais que c'était. Ouais, ouais, et moi, faut que tu sortes de voilà. Ouais. Tu viens de la récupérer en fait. Là ouais. Maintenant tu vas la découper, tu vas avoir les boyaux, tout ça. Tu nous donnes les os. Voilà, nous on récupère que les os, toi tu gardes la viande. On fait des flèches avec les os. C'est ça. Là, il y a un truc qui court encore. Hein. Ah, c'est ton chien. Ouais. Tu l'as ramassé? Il est en train. Tu te mets devant, voilà. Tu peux faire des photos aussi comme une fois. Trophée shot. Là, il y a des empreintes de fuite là. Donc je me prépare au gun. Et il y a un truc, il y a un lapin aussi dans la butte à droite là-bas. Kiki sur ta droite.
Il y a un tympan au soleil qui se fait dorer. Derrière l'arbre. Ouais, ça va. Bon, il est où le gros cochon là? Ah ouais, je le vois. J'en ai qui me regardent là. Ouais, ouais. Tu me dis quand tu veux tirer. Hein. Moi, bah, je vais être tiré dans. Allez, moi je suis 4, 3, allez. 2, 1. Il a pris. Elle est tombée. Ah ouais, tu vis sur du fond. T'inquiète, on va les retrouver après. Vas-y, c'est bon, tu peux sortir. C'est pour mon chien. Ah ouais, j'avoue. Ton chien, il va chercher le sang. T'as tiré, Barbu? Ou pas? Parce que c'était qu'il partait. Ouais, mon chien est excité là. Ouais, bouge pas, t'inquiète pas. On va faire ce qu'il faut, mon toto. Il a senti le sang, ça y est. Voilà, celui-là c'est le mien, parce que je l'ai buté. Le cochon, les cochons, on va les retrouver plus loin sur la plage, tu verras. Moi j'en ai un ici, c'est le mien, celui-là, je crois. Moi j'en ai un autre, il est derrière là-bas. Ah, ouais, c'est à moi. Omoplate pour mon gauche, pour mon droite. Prends les 174. Traces. Prends les traces, hein, Barbu. Hein. Quand il y a plein de traces comme ça fait des points, ça. Là, il est là, mon cochon. Ouais, j'ai touché 3 fois avec le gun. À 27 mètres, à 33 mètres, à 55 mètres. J'ai pas loupé en fait. Moi, il faudrait voir si j'ai des traces de sang sur le cochon, mais je pense pas que je l'ai touché. Tu veux te faire lequel? Je comprends pas. Ouais. Bouge-toi parce que sinon ils vont nous griller. Avec l'arc, tu peux pas. Si. Ah, l'arc, tu peux pas. Alors, attends, je prépare l'arbalète. Là, je suis sur le marron, là, la femelle. Marron devant, là. Ouais. Attends, il y a le noir là-bas au fond, là, qui arrive. Je sais pas si je vais la flèche va être assez. Bah, attends, que j'attends. Vas-y, vas-y, il est en train de renifler. Alors, bouge pas, il bouge, il vient. T'inquiète. Dès qu'il s'arrête, le mien, je flèche. Normalement, ça va peut-être pas faire feu les autres. Ils ont fui? Ouais, mais il va fuir vers l'eau, tu vas voir. Regarde bien, il va revenir. Je vois où il va. De toute façon, s'il y a une flèche, il va pas aller loin. Ah, ils m'ont gonflé. J'ai pas pu flécher. Et quand j'ai fléché, t'étais devant moi. Ah merde. Vraiment, il a pris. Mais une balle, mais j'étais loin. On va voir si tu l'as touché. Je le voyais courir au fond là-bas. Comment on voit ça? Bah, tu vas voir là où il était. Il va y avoir des traces à lui. S'il y a du sang, bah, c'est que tu as touché. Tire contraire à l'éthique, mon ami, c'est toi ça. T'as pas tiré avec la bonne arme, t'as pas le droit en fait avec cette arme. Ah. C'est pas assez puissant pour un sanglier. D'accord. Mais ça empêche pas de le faire. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il est pas mort, je suppose. Parce que t'as dû le toucher, mais... Alors là, il y a des traces. Là, il y en a une autre. Errance, corps. Tu l'as touché. Tu l'as touché. Regarde, il y a du sang, là. Tu vois, par terre, là? Où je suis? Ouais, voilà, pour ça. Ah, mais tu vois, à force de suivre les traces, eh ben, tu le retrouveras mort. Je croyais qu'il est au bord de l'eau là-bas. T'as dit qu'il est en fuite et que la direction. Ouais, il y avait un au bord de l'eau tout énervé là-bas. C'est peut-être pas lui. Oui, il avait changé. En tout cas, là. Il
toucher. Sortir l'armée. Attention, hein, marche, parce que s'il va fuir encore. Là, je suis loin pour tirer au 44. J'ai pas dû le toucher mortellement. Il revient ce con. Ouais, il revient. Ouais, reviens mon petit. Il va s'arrêter de courir juste vers nous ce con. Non, il repart. Oh putain. Du coup, il va continuer de fuir. Un petit coup de déo. C'est un éliminateur d'odeur en fait. Parce qu'ils te sentent selon le sens du vent et tout. Faut bien regarder le comportement qu'ils ont. Qui te sentent, tu le vois tout de suite. Vas-y, vas-y, elle bouge pas là. Ouais, c'est bien là. Entre les pattes. Ouais, bien joué. Le cochon, du coup, il va fuir là-bas. Enfin, si je le vois au passage. Non, j'ai pas vu de cochon. Bon, allez, on va sortir. De toute façon, il a dû fuir. Vas-y, va la ramasser. Hein. Ah bah ça va mieux quand tu... Ah bah c'est sûr. Ah ouais, j'ai rien tout à l'heure comparé. C'est le double quoi. Là-bas, bon. Réfléchir déjà. Bon, et l'autre mulet, il arrive par où là? Fais gaffe parce que tu vas. Pourquoi hein, si tu es pas loin de moi là-bas? En 95 mètres, là je vois. J'ai essayé de flécher un faisan à 50 mètres. Ah, je le vois l'autre, il arrive de là-haut. Mon mulet. Oh, il est beau, hein. Ah, bouge plus. S'il te plaît. Oh, il y a des beaux bois. Je dis, il fait 180 celui-là au moins. Le score. Oh putain, il fuit. Pourquoi? Pourquoi il a fui, putain? Bon, bah, j'ai vu où il va, donc je vais essayer de le retrouver.